Parce que notre incarnation aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle propose? La conscience de la planète augmente. Nous sommes à peu près aujourd'hui à 14 Hertz. Notre conscience aussi, proportionnellement, augmente. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut donc dire que nous ne pouvons plus être assujettis à ces schémas à basse fréquence. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, que tout ça, c'est une histoire d'énergie. Ce que nos ancêtres ont vécu est proportionnel à des souffrances qui s'expriment en nos chairs. D'accord, on l'a compris. Mais de manière plus subtile, ça veut dire aussi que notre conscience, qui, elle, augmente au niveau de son taux vibratoire, parce que c'est ainsi aujourd'hui, va donc exprimer et avoir demande d'expulsion de ce que les cellules ont gardé de jadis, qui aujourd'hui n'est plus commode. Le tout, c'est pas simplement de se dire « il faut que je me libère des casseroles », parce que ça, je l'entends tous les jours. Mais ce qui est important, c'est de se dire que ces casseroles, elles produisent des méfaits sur le plan vibratoire, puisqu'elles rentrent en dualité avec les taux vibratoires de lumière qui sont proposés aujourd'hui, du fait d'une conscience qui se dilate, et que du coup, séquestrées dans notre conscience, toutes ces informations trop basses créent du coup un déchirement entre nos parts de lumière et nos parts d'ombre. Donc il est urgent de se défaire de ce que nous portons. Encore faut-il l'accepter. Bonsoir ce soir sur Planétaire, nouvelle émission avec Françoise Nalé sur la déprogrammation cellulaire. Vous entendez encore un peu de bruit parce que tout le public n'est pas encore sorti de la salle. Et il se fait tard, on commence quand même l'interview maintenant. La déprogrammation cellulaire ou la reprogrammation cellulaire a déjà été traitée avec Jean-Pierre Girard. Vous pouvez voir le lien dans la description si vous voulez en savoir plus. En tout cas, ce soir, c'est avec Françoise Nalé. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la déprogrammation cellulaire, est-ce qu'on peut, c'est un très court raccourci, mais dire que c'est demander à ces cellules d'être un peu plus sympa avec nous? Oui, en tout cas, c'est demander à ces cellules de nous permettre d'entendre ce qu'elles ont à libérer et de permettre à nos cellules de nous rendre libres, de ne pas être ce que l'on a voulu qu'on devienne. Donc ça veut dire observer ce qui est à l'intérieur de nous, puisque nous sommes portés par des informations du transgénérationnel, nous sommes portés par des informations karmiques, nous sommes portés par donc un héritage à la fois génétique mais aussi informatif dont nous sommes dépendants. Et donc il est urgent pour nous, pour pouvoir être du coup à la fois libre d'être, mais surtout en plein libre arbitrage, de pouvoir avoir conscience de ce que nous portons, aimer ce que nous portons, pour pouvoir nous proposer un changement. Moi, je vois quand même, il y a un sacré sac de nœuds entre les informations karmiques, transgénérationnelles, etc. Il faut quand même dénouer tout ce sac de nœuds. Vous dites aussi qu'il faut l'accepter. Est-ce qu'il y a une histoire de pardon? Est-ce qu'il y a une acceptation, un amour entier de soi-même et des autres aussi? Oui, alors l'acceptation, c'est effectivement d'accepter d'où on vient. C'est-à-dire que nous sommes liés à nos ancêtres. Ça suppose donc que nous devons nous accommoder de ce qu'ils nous ont donné, mais aussi d'être suffisamment à l'écoute de la manière dont nous sommes et de l'héritage qu'ils nous ont laissé. C'est parce que nous allons mesurer l'héritage qu'ils nous laissent que nous allons pouvoir trouver nos propres richesses intérieures. Et donc nous aimer suffisamment en pouvant choisir ce que nous sommes libres d'accepter d'eux, mais aussi de ne plus recevoir pour pouvoir être justement acteurs de notre propre existence. Donc c'est les aimer pour ce qu'ils ont été, mais nous aimer suffisamment pour accepter de devenir qui nous sommes. Donc trouver un équilibre entre commémoration de la mémoire et puis en même temps exactement. Avoir sa propre vie à soi-même. C'est ça. Il faut accepter de ne pas tout contrôler. Vous le dites à un moment donné dans la conférence, c'est normal ça. Est-ce qu'on a, on n'a pas toute la largeur de marge de manœuvre qu'on voudrait? Est-ce qu'on maîtrise notre vie ou pas finalement? Alors la notion de contrôle, en fait, il faut l'évaluer. C'est-à-dire que croire que nous sommes 100% acteurs de notre existence, je crois que c'est un peu une erreur. Nous arrivons avec un programme. Ça veut dire que ce programme, en fait, il est dimensionnel. On a des possibilités, des potentialités, on a des talents, on a des valeurs. Et en fait, la vie va nous permettre de rencontrer ces potentialités et de les mettre au service. Si on contrôle tout, si on veut absolument définir un cadre de notre existence, ça veut donc dire qu'on va amoindrir nos potentialités que nous avons pourtant, que la vie va nous envoyer. Donc la vraie question est jusqu'où je n'écoute pas suffisamment l'existence et l'ensemble des informations qui s'y trouvent, qui sont à ma disposition, jusqu'où je ne joue pas la compréhension de la loi de l'universalité, c'est-à-dire la matière me renvoie à quelque chose qui est bon pour moi, et que si je mets un écueil
du coup, mentale, égotique là-dessus, ça veut dire que je me ferme les portes à des potentialités qui sont les miennes. Donc dans la notion de nos contrôles, c'est pas de ne rien faire, c'est juste de rester disponible aux opportunités de l'existence, saisir, on va dire, les moments forts de l'existence, et en faire quelque chose qui nous permet d'exister, parce que rien ne vaut plus que l'expérience. Parlant d'expérience, je rebondis là-dessus, beaucoup de praticiens ou thérapeutes ont des, on peut dire, des astuces pour séparer l'ego, en tout cas pour le détecter, parce que souvent il se fait passer pour l'âme ou autre. Quels sont vos conseils pour justement bien le discerner, avoir ce discernement entre l'ego et l'âme qui nous parle ? En fait, la vraie question, d'abord l'ego, c'est une pression vibratoire au niveau des neurotransmetteurs du cerveau gauche. Donc ça, je le vois en mémoire cellulaire, c'est-à-dire je le discerne physiologiquement. Toutes les pensées du passé sont logées dans le système de l'ego, donc à gauche. Les mémoires sublimées, d'ailleurs il y a un médecin qui a illustré une glande qui permet de connecter la source, le divin, la lumière, selon la connotation qu'on veut donner, qui est sur le cerveau droit. Ça veut dire que la vraie question est de s'interroger à chaque fois que nous œuvrons, que nous nous positionnons, quel est le registre dans lequel je me situe ? Si ce registre est un système, si ce registre, du coup, est une conséquence des formes pensées qui s'y trouvent, qui sont celles de mes ancêtres, de mes parents, ou en tout cas des trois générations précédentes, ça veut donc dire que je ne suis pas libre de mes pensées et que donc je suis toujours dépendant de ce système. En fait, il faut être capable, en toute humilité, d'observer ces pensées. Si nous observons nos pensées et que nous sommes en capacité de voir qu'elles sont toujours assujetties à des mécanismes, alors nous sommes dépendants des pensées de l'ego. Si d'aventure nous sommes plus inspirés, davantage créatives, intuitives, dans cette nouveauté quotidienne, alors ça veut dire que nous sommes dans des pensées qui sont nouvelles, qui sont intuitives, relayées à l'âme. L'ego n'a pas sa place. Le cerveau sait bien faire les choses, mais il sait faire une chose à la fois. Soit il pense, soit il sent. Donc il faut faire confiance quand même à son intuition, il y a quand même une histoire de... C'est la pensée majeure, l'intuition. La pensée majeure, il faut écouter son cœur. Pour moi, c'est la pensée sur la pensée. On me fait faire les sales boulots, j'ai un grand-père qui dit ça. Libère le programme dans l'inspire, on me fait faire toujours les sales boulots. Libération. C'est parti, monsieur, souriez, vous êtes filmé. C'est parti quoi ? Je dis c'est pas... Sourd, vous êtes sourd aussi ? En plus, vous n'entendez pas ce que je dis, alors. Il y a beaucoup de colère dans ce corps. Ouais. Il faut lâcher la colère. Hein. Ouais. Qui vous parle ? Quelles sont ces entités ? Ce sont des guides ? Ah non, ce ne sont pas des entités, ce sont des consciences de lumière. Alors déjà, au niveau de la canalisation, en fait, je suis canal. Ça veut donc dire que ce que je reçois, je ne le maîtrise pas sur le plan du mental. La manière dont j'exprime les mots ne passe pas par le mental. D'abord parce que ça va trop vite. Vous faites sauter les filtres. Je n'ai pas de filtre. D'accord. Hein, en fait, je n'ai pas de filtre. Justement, je suis en synchronicité avec l'information qui provient des plans de la cinquième dimension, de ces consciences-là. C'est comme si je fais une conversation comme je la fais avec vous, là, maintenant. C'est-à-dire que je ne vais pas réfléchir à ce que vous êtes en train de me dire, je comprends ce que vous êtes en train de me dire. C'est dans l'instantané, voilà. Oui. C'est dans l'instantané que ça se passe. Et en fait, je reçois la vibration, en fait, et ce que j'exprime, c'est ce que mon guide dit en même temps que je le prononce. Voilà, donc je n'ai pas la capacité de changer ni le lexique, ni le ton, ni la didactique. C'est pas possible pour moi. Qui est le praticien, du coup, là, dans cette histoire ? Votre guide ou vous-même ? Ou c'est un travail d'équipe ? C'est un travail d'équipe. En fait, lui fait partie de la cinquième dimension, moi de la troisième. Et nous sommes du coup des coopérateurs sur le plan vibratoire. C'est-à-dire que je reçois une information de la cinquième dimension qui, à mon accès de la troisième dimension, devient du coup reçue. Et en le recevant, je peux par les mains, je dirais, faire passer l'information vibratoire en termes d'énergie dans la zone localisée qui est sous mes doigts. Donc, il n'y a pas de lui ou moi, il y a un tout. En fait, c'est une énergie comme une pile, hein, plus moins, point A, point B, quoi. En fait, c'est une reliance. Une complémentarité. Alors, à ce niveau-là, le public était assez déçu de voir qu'il n'y avait pas de site internet. C'est en chantier, c'est prévu, en cours ?
j'ai une grande lacune, c'est que j'ai peu de temps pour m'occuper de l'aspect, de l'aspect informationnel. Vous vous occupez plutôt de vos patients. Voilà, c'est ça. Bon. Donc, évidemment, j'ai pas encore mis en place, mais ça va se faire cette année, de sorte qu'ils puissent être informés, surtout des soins, c'est une chose, mais surtout des événements qui permettent en même temps d'approfondir le travail et d'améliorer des compréhensions, d'ouvrir aussi les consciences sur d'autres manières de fonctionner et qui vont aider aussi, qui vont être aidantes à la libération, à la prise de conscience de ce que nous avons à libérer. Donc, du coup, le soin ne devient pas, je dirais, obligatoire, il devient un support. Et du coup, les enseignements que je reçois, qui ne sont absolument pas contrôlés, me permettent d'échanger avec le public, là où la loi de l'univers me demande d'être, du coup, simplement le transmetteur. Alors, comment faire pour aujourd'hui connaître vos séminaires, votre actualité, vos formations ? On va passer par vous. Bah, d'accord. on peut mettre vos coordonnées, justement ? Voilà, je peux... proposer de vous laisser mes coordonnées en attendant que je sois joignable. Et puis, bon, effectivement, j'ai pas de site, je n'ai qu'une adresse mail pour l'instant, un téléphone. Bon, bah, mais à ce moment-là... Voilà. Ben, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette fabuleuse conférence. Et puis, on vous dit à bientôt. Merci. Merci beaucoup de votre accueil. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.